Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé la canne effet carreau de ciment. Ouais, on va dire ça comme ça parce que là je suis pas du tout satisfaite de moi, mais j'ai une excuse. Pendant que j'ai réalisé cette canne-là, oui, c'était pendant la canicule. Donc il faisait extrêmement chaud et la pâte était extrêmement molle, donc je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Donc c'est pour ça qu'au final, eh bien, je n'ai jamais réussi à obtenir le même résultat partout, tout au long de la canne, parce que bah, y a des moments où c'était beaucoup plus mou que d'autres. Enfin bref, c'était une catastrophe. Travailler la pâte polymère pendant qu'il fait très chaud, c'est horrible. Mais bref, je te montre quand même ce tuto-là, parce que la base reste la même, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ça revient au même. Du coup, j'évite de faire trop de blabla parce que les images parlent d'elles-mêmes et au moins ça m'évitera de faire du charabia qui veut strictement rien dire. Donc du coup, je suis motivée à faire une autre canne carreau de ciment, mais cette fois-ci, je vais pas le faire pendant la canicule. Oh non, je vais le faire cet hiver quand la pâte va être bien dure. J'aurai peut-être un peu moins de catastrophes. Voilà. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et comme d'habitude, moi j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce petit tuto va te plaire. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!
Thank you.